Nous sommes spécialisés en transactions depuis 1960, date à laquelle mon grand-père Paul Boschi a créé l'agence. Mon père a plus de 50 ans de métier, il est toujours là parmi nous tous les jours. Il y a ma sœur Fanny aussi qui participe à l'aventure et elle s'occupe de l'agence de Vaison-la-Romaine et du secteur Prestige. Au fil du temps, nous avons créé 12 agences sur la Drôme Provençale et le Vaucluse. L'immobilier, premier amour ou reconversion ? Reconversion. Je travaillais auparavant dans l'industrie dans la région lyonnaise. Et j'ai l'opportunité de revenir travailler avec mon père en 2003. J'ai sauté le pas et j'en suis très heureux. Votre agence en trois chiffres. Nombre de collaborateurs 35, répartis sur les 12 agences que nous avons créées en Drôme Provençale et Vaucluse. On a 300 ventes en 2020 et 500 mandats actifs. L'engagement au sein d'un syndicat, c'est important pour vous ? Oui, c'est important pour moi d'adhérer à un syndicat comme la FNIM, qui je pense représente parfaitement notre profession auprès des institutions et du grand public. Je pense qu'aussi le Cube Jaune est reconnu par tous maintenant. Pourquoi être indépendant ? Indépendant, c'est un peu le résultat de l'histoire, parce que c'est mon grand-père, Paul Boschi, lorsqu'il avait créé l'agence, il était indépendant. Mon père a continué de la même façon. Et je pense qu'aujourd'hui, être indépendant, c'est être plus libre de nos décisions. Qu'est-ce qui a changé dans votre métier depuis la première génération ? En 1960, à Nyons, je pense qu'il n'y avait qu'une, peut-être deux agences. Aujourd'hui, il y a de très nombreux acteurs sur le marché de l'immobilier, donc tout ça a bien changé. Je pense qu'aussi à l'époque, les actes de vente étaient rédigés avec 4 pages au maximum. Aujourd'hui, on en a à peu près 200. Travailler en famille, quels avantages ? On partage tout en famille avec ma sœur Fanny et mon père. Donc une fois qu'on a défini ensemble un projet, tout le monde met son énergie pour faire aboutir ce projet. C'est quoi pour vous l'agence de demain ? C'est une agence locale qui connaît parfaitement son territoire et les gens qui y vivent, mais qui aussi propose des outils de communication et un marketing moderne et performant. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Quelle utilité ? Ils nous permettent d'accroître notre notoriété, aussi de rentrer des mandats. Beaucoup de gens le regardent et notamment grâce à Instagram, on a de nouveaux clients qui nous contactent pour nous donner des mandats à la vente. Une anecdote sur les réseaux sociaux ? On avait mis en ligne un château que nous venions de rentrer à la vente et on a eu un message un peu spécial où on nous demandait d'organiser des soirées masquées et peut-être plus si affinité dans ce château. Bon, on a bien sûr répondu que nous, on était là que pour vendre et pas pour autre chose. L'immobilier, un métier de passionné ? Oui, bien sûr, c'est un métier de passionné. Il faut aimer son territoire, il faut aimer les gens, il faut aimer les belles pierres, les belles maisons. Quel est votre meilleur souvenir professionnel ? Je pensais à des clients que j'ai rencontrés il y a à peu près 6 mois, 1 an, qui sont revenus nous voir parce qu'ils voulaient vendre leur maison à Vinsobres, c'est un petit village à côté de Nyons. Et ces gens-là, âgés, c'était mon grand-père Paul qui leur avait vendu le terrain dans les années 60. Ils sont revenus nous voir sans hésiter, sans réfléchir, parce qu'ils étaient contents du service que mon grand-père leur avait donné à l'époque. Ben ça, je pense que ça représente bien l'esprit de l'agence de famille que l'on veut donner. Recruter un alternant, coup de pouce pour la jeunesse ou investissement sur l'avenir ? J'en ai une actuellement à notre agence de Pernes-Fontaine, dont je suis très heureux, et elle va continuer à l'aventure avec nous. Se former en continu, obligation ou opportunité ? Ben c'est très important de se former en continu, on le fait régulièrement. On a des formateurs de la FNIM, de l'ESI, qui viennent maintenant chez nous en intra. Ça nous permet vraiment d'avoir à la fois un suivi sur les aspects législatifs et aussi sur les méthodes commerciales. On utilise aussi souvent les webinaires qui sont très bien organisés et très efficaces. FNIM Legal by Modelo, véritable plus-value pour faire valoir son expertise ? C'est un outil très, très efficace et très innovant qui nous permet d'avoir à la fois tous les documents toujours à jour des dernières législations et qui nous permet aussi d'enchaîner tout de suite sur la signature électronique, ce qui correspond vraiment à ce que les gens attendent de nous aujourd'hui. Pour nous, c'est d'autant plus important qu'on rédige tous nos compromis, ou quasiment tous nos compromis. Pourquoi c'est important d'être rattaché à une chambre locale ? Ça nous permet d'échanger avec tous nos confrères professionnels de la Drôme, de l'Ardèche et du Vaucluse. La chambre locale aussi met en place beaucoup d'actions de communication locale qui nous permet de faire connaître notre profession et la FNIM. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que nous sommes très heureux de pratiquer ce beau métier de l'immobilier, de pratiquer en famille au service de nos clients.